Je suis ingénieur d'études au sein de l'équipe de protéomique dirigée par Odile Schiltz. Cette discipline s'intéresse principalement à l'identification et à la caractérisation des protéines. Au sein de cette équipe, je fais partie du service de bioinformatique protéomique qui regroupe 5 personnes. Mon activité principale est administrateur système et réseau. Dans ce cadre, je mets en œuvre toutes les solutions nécessaires pour traiter, stocker et sauvegarder les données issues des acquisitions des expériences de mes collègues. Enfin, j'ai une troisième casquette comme responsable du management de la qualité. Je me suis intéressé très tôt, dès le début des années 2000, à la démarche qualité que j'ai mise en œuvre dans notre équipe. Cette approche s'est concrétisée dès l'année 2006 par l'obtention de la certification ISO 9001. J'ai développé cette activité au cours des années suivantes en m'impliquant dans la formation de nouveaux responsables management qualité, la réalisation d'audits internes tant au niveau local que national, et enfin la rédaction au tout début des années 2010 d'une nouvelle norme, la norme NFX 5900, spécifiquement dédiée aux plateformes technologiques. Alors j'ai eu un parcours atypique. En effet, j'ai commencé ma carrière à l'université et je suis entré au CNRS par concours interne en 2000. Biochimiste de formation, j'ai pu évoluer vers l'informatique et la gestion de la qualité grâce aux formations et aux opportunités que m'a offert notre organisme. Cette médaille de cristal représente une reconnaissance par le CNRS de l'ensemble des activités, innovations et services que j'ai apportées aux équipes que j'ai côtoyées tout au long de ma carrière. Si j'avais un souhait, ce serait que la démarche qualité, trop souvent perçue par mes collègues comme une contrainte et un frein à leur activité, soit plutôt reconnue comme une aide et une amélioration dans leur travail quotidien.